Hello everybody, everybody hello, c'est Kent. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui s'appelle God of War 3, donc je pense que tout le monde connaît. Donc en fait, on va se faire un petit playthrough ensemble. Donc on va jouer en mode titan. Donc c'est la troisième difficulté du jeu. Tout simplement pour avoir le trophée platine ensemble et pour avoir un peu de difficulté quoi. C'est parti. Ma vengeance s'achève. Mes frères, nous avons été forgés par la victoire. Une victoire qui a mis fin à la grande guerre et a marqué le début du règne du mont Olympe. Né dans les profondeurs de l'enfer, enraciné dans la rivière des âmes, notre montagne a surgi du chaos. Et en s'élevant, la puissance des Olympiens a grandi avec elle. Nous avons créé un monde où règne la paix, un monde prospère, un monde qui vit dans l'ombre et la protection de ma montagne. Une montagne qui est devenue la mesure absolue du pouvoir et de la force. Maintenant, en ce jour, cette puissance doit être testée. Kratos, le mortel, cherche à détruire le monde que j'ai forgé. Éphraïm, mettons de côté les différences insignifiantes qui nous divisent depuis si longtemps. Si nous nous unissons, si nous combattons ensemble, moi, je nous débarrasserai de ce fléau. Oui, de l'âme, un crâne. C'est de retour. Et je viens détruire l'Olympe. Les titans perdront à nouveau. Et c'est parti les amis. Donc en mode titan ça va être très difficile. Oula. Par contre je vais... On va bien galérer ensemble les amis, ça va être super dur. Mais bon, ça va être fun je pense, on va pouvoir failer tout le temps comme ça. Ouais ça va, je gère. Et tiens. Je vois, attends. Voilà. Thank you.
sais pas, j'hésite, franchement. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Désolé si vous entendez la manette, moi j'appuie quand même tout comme un taré pour les QTE, voilà. C'est ça que je cherchais comme mot. Allez! Au début c'est simple, hein. Même en mode titan, les petits monstres comme ça sont très simples à tuer. C'est quand il y aura les... Vous verrez dès qu'il y aura des grosses bêtes, que ça se compliquera. Donc j'espère que vous serez nombreux à suivre ce playthrough. Oh là là. Parce que God of War, c'est vraiment un jeu que j'affectionne. C'est l'un de mes jeux préférés en fait. Donc là, j'ai pris la moitié de ma vie avec un souffle de. Genre, voilà. Hop. Je vais crever, première mort bientôt. Ou pas. J'espère que je récupérerai ma vie. Même pas. Je parle pas trop parce que je suis vraiment concentré en phase de combat. Et que c'est pas en mode facile, je me pas me permettre de parler autant que si j'étais en mode facile. Donc là vous voyez, il y a plusieurs phases de combat, une debout, une accrochée au plafond et une sur ouf les murs. Je suis mort. Voilà. J'ai eu chaud, hein. Il me reste un poil de vie. Non, pas ça, pas ça, pas ça. Je suis mort, je suis pas mort. Allez. Oh là là, j'esquive. Et il envoie la patte pile poil où je saute. Donc ce petit menu à répartir du checkpoint, vous allez le voir très souvent. D'ailleurs, je suis désolé, mais. Et je ne changerai pas la difficulté, je pense. Le round de checkpoint là est vraiment vraiment éloigné, je trouve. Allez, c'est reparti. Ah, j'aurais dû me prévoir, je suis trop nul. Ok. Allez. Là maintenant on est sur le plafond comme tout à l'heure. Hop. En fait on regagne de la vie à chaque on va dire phase de combat. Ah, ça va, je suis plus vite que tout à l'heure. Allez, je l'enchaîne. Je vais toucher. Allez. Ouh, il esquive.
Non, non, c'est pas. J'ai fait une esquive vers la gauche, mais je me suis loupé. Je suis pas loupé, mais ça m'a fait louper. Voilà. Donc, je pense que ça sera des vidéos de 41 heures. Donc là je dois être à 10 minutes on va dire. Donc on a encore une demi-heure ensemble les amis. Ou plus, on verra. Allez, mon Olympe, c'est parti. Donc God of War, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a souvent des phases de plateforme comme ça. Des phases de combat, des phases de boss là contre le monsieur qui est derrière par exemple. Il s'appelle Hades, dieu de l'enfer. Mais aussi des phases d'énigmes, bon des énigmes un peu à la con mais bon. C'est vraiment bien fait, j'adore ce jeu. Entre Dante Inferno et celui-là, j'ai fait mon choix. Mais lâche-moi. Bon. Il y en a encore un. Allez, j'aime bien faire ça, c'est la toupie, j'appelle ça. Un puis sur un, gagne. Pour prendre la vie avant. On va voir s'il y a rien ici. Donc il y a rien. Chaîne du pouvoir, sa puissance sans égale protège le lien entre l'Olympe et les enfers. Hop là. Quand il y a beaucoup d'ennemis comme ça, je me creuse pas la tête. Hein. Hop. Je la toupie. Hop, esquive. Donc bien sûr, au fur et à mesure, on va débloquer des nouvelles attaques. Pour l'instant on est au début donc on a pas grand chose. Donc ça c'était un titan. Je crois qu'il a pas de nom, je sais pas. Hop là. Ah ça doit faire mal. Ça, faut de l'aider, elle, chaque fois. Allez. Alors là, je sais pas si vous avez vu. En fait, dans God of War 1, on tue un dieu qui s'appelle Ares. C'est le dieu de la guerre, donc. D'où le nom du jeu God of War. Et dès qu'on le tue, on devient nous-mêmes le dieu de la guerre. Donc. Et là,
Oh, attendez, je vais activer ce levier. Ah non, il y a un... Ok, vous attendez que je débloque cette cinématique. Parce que là, si vous regardez bien, Ares est juste en dessous, dans la glace, là. Et t'as des dégages. Ça, c'est un centaure, ils sont assez rares dans le jeu. Oh, j'ai raté la QTE. Ah, ça pique. Et dégage. Lâchez. Genre, j'ai pas réussi. Moi, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a des petites... C'est des petites merdes en fait. C'est tout ce qui n'est pas gros monstre, boss, etc. Voilà, on va te calmer tout de suite. Ce que je voulais vous montrer, oui, c'est un beau levier. Là, comme c'est le début, il nous montre un peu un levier qui va faire abaisser la plateforme, qui va faire avancer la plateforme à droite, monter, etc. etc. Mais ça, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est le cadavre de Ares. Ici repose Ares, le dieu de la guerre déchu. Ben oui, vu que c'est moi, le nouveau dieu de la guerre. Allez Kratos, allez. Allez Kratos, allez. Voilà. On va sauvegarder. Et c'est reparti. Vite Spartiate. Et c'est reparti! Allez Kratos! Je suis crevé les amis! Oui, pas de dégâts. Ah voilà. Je vais mourir. Je suis mort. Oh là 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 là. Je pense qu'il faudra que je me concentre un peu plus. Ça va être dur, mais en même temps, je prends des risques en faisant un playthrough en mode titan parce que c'est le mode difficile. Et bon, d'habitude, les playthroughs c'est en mode normal hein, que je les ferai. Hein. Je compte faire Sleeping Dog en playthrough, je pense. C'est possible. Prince of Persia 1, je l'avais déjà annoncé, hop. Et Skyrim aussi, voilà. Vraiment Skyrim, je recommencerai tout du début. Il donne deux coups, tac tac, et après il y a sa petite patte qui traîne et qui m'emporte.
Pourtant, je pense que si je meurs trop de fois dans certaines séquences, je couperai et je mettrai la bonne séquence. Oh là là, il m'a mis deux coups de patte, ça m'enlève la moitié de ma vie. Allez, crève! J'ai pas d'arme. Ah, je crois que j'ai un truc. Ça. C'est pas gêné, on va l'utiliser. Ok, il m'attaque, je vais faire ça, tiens. Regardez, on va voir. Hop! Maintenant, ça me protège, ça fait des dégâts. J'aurais dû y penser avant. Voilà. Allez, c'est parti. Et bim! Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est bien ce jeu? J'ai récupéré de la vie, dites-moi, j'ai récupéré de la vie, oui, c'est bon. J'ai plus de magie. Je suis dans la merde. J'ai pas d'armes à distance au début, c'est chiant. Et après j'aurai une arme à distance. Ouf. Vous en doutez sûrement. Non, ne souffle pas, ne souffle pas, ne souffle pas. Parce que quand il souffle, c'est mon... le truc que j'arrive le moins à esquiver. Il va souffler, il va souffler. Non, c'est bon, je vais esquiver. Allez, faut te donner. Voilà. Allez, on va ouvrir ça. Bim. Et tiens. Et bim. Et ben. Voilà, elle est soulagée là. Allez. Hop. Là, ce sera un moment calme. Et bon, dès le début, God of War nous en met plein la vue. Hein. C'est ça que j'aime bien en jeu. C'est ce qu'on va faire. On va récupérer aussi dans ce Spectre tous les petits objets des dieux. Et vous allez voir de quoi je parle dans un instant. Et on va essayer aussi d'améliorer toutes les armes au max. D'avoir un bloc de d'orbe rouge qui permet d'améliorer les armes. Je vais vous montrer ça. Allez, regardez. Là, j'ai la lame, elle est au niveau 5, donc elle est au max. Et après, j'ai plein de trucs à débloquer. Et en dépensant les 1842, en fait, ça remplit en rouge. Vous verrez plus tard, c'est un peu compliqué d'expliquer sans que je puisse le faire. Non, ça on laisse comme ça. Hop. Donc pour ceux qui veulent avoir les objets, bah je vous montre qui sont. Voilà. Aigle de Zeus, un objet de valeur appartenant à Zeus, finir le jeu pour utiliser cet objet.
Voilà, donc dès que vous avez fini le jeu, bah dès que vous avez tous les objets, vous faites start et en fait les objets sont une sorte de cheat code, genre Kratos a deux fois plus de vie, ou Kratos frappe deux fois plus fort, tout du genre. Hop. Allez, c'est parti. Hop. Ah là, ça va être ça va être sympa, regardez. Tac 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 tac. Et hop là. Et toi? Dégage, j'adore. Hop là. Hop. Salut. Voilà. Hop là. On monte la colline. Et encore une bébête. Mais Kratos est là pour la démolir. Tu oses me défier, mortel? Oh, c'est impressionnant. Poséidon. Un vrai guerrier ne se cache pas, Poséidon! Quitte la mer et affronte-moi! C'est la dernière fois que tu manques de respect envers les dieux! Mais moi je te tienne! Je sais plus ce qu'il faut faire là. Il ne restera plus rien de toi dans mon sillage! Ça a beaucoup plus de vie, les petites pattes là sur le côté normalement c'est en deux combos ben elles disparaissent, mais là c'est un peu plus compliqué de les faire partir. On va faire deux combos comme ça pour voir. Je vais faire de l'autre côté après. Ah non. Voilà, une de moins. Esquive. Ah non, putain. La clôture devra être rongée. Ah oui. Bien joué, Gaïa. J'arrive. Hop là. Et à la grandeur de l'Olympe. J'ai pas prévu ça. Ok, donc en même temps, en fait, j'essaie d'apprendre les coups qu'il fait. Moi, je vais mourir, hein, si je suis sûr certain. Voilà. Donc ça, après, c'est plus facile de les contrer. Vous voyez ce que je veux dire? T'as vu, tu vois ce que je veux dire? Je suis mort environ 5 fois, les amis. Donc là, j'espère que c'est la bonne. Bah, j'ai esquivé, je comprends pas pourquoi ça n'a pas esquivé. Allez. Pauvre Gaïa, la pauvre. Sauf qu'il y a la pauvre Kratos qui s'avance, Kratos qui fait un combo. Ah ouais. Non, pas ça. Allez, pousse-toi. Et voilà, c'est bien. Quand je t'en
t'enchaîne. Oh, comme je t'enchaîne. Non, comme je te fais des combos. Voilà. Choisissez la bonne, les amis. Allez. Allez, Kratos. Si je rate cette QTE. Triangle. Croix. Tiens, ça fait mal, hein. Gaïa, non. Et c'est reparti. Ah, c'est beau quand même. Rien que cette présentation. Oh putain, mais je fais n'importe quoi. Rien que cette présentation, elle est belle. Hein. Et Kratos qui fait un combo et qui se fait déchiqueter par des griffes. Et Gaïa Punch. Ah là, ça va être épique là. Vous êtes prêts, les amis? Let's go. C'est qui le patron? C'est Kratos. T'es vaincu, Poséidon. Avec un peu de mal, mais j'ai quand même vaincu Poséidon. Oui, je parlais pas parce que je pensais qu'il y allait avoir un dialogue, mais non. C'est juste après. Voilà. Zeus aurait mieux fait de te laisser à ta place. Peu importe combien de dieux tomberont, il y en aura toujours de nouveaux pour s'opposer à toi. Ils tomberont aussi. La fin de l'Olympe signifie la mort pour nous tous. Alors, prépare-toi à mourir, Poséidon. Alors là, ça va être épique. Et bim ! Coup de boule. Droite. Bim. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Coup de boule. Là, on est dans la vue de Poséidon, pour ceux qui se demandent. Imaginez, il y a Kratos qui met vers vous comme ça, comme on doit flipper. Attention! What I? Poséidon n'est plus. Nous avons vaincu notre premier dieu, les amis! Ça a fait un rehaussement de la mer, la mort de Poséidon. Donc beaucoup d'inondations. Comme on pourrait le voir. Mais carrément, il y a des forêts qui sont inondées. Quoi. Oh Gaïa! La mort de Zeus est à notre portée. Monte sur la terre. J'hésite. On va sauvegarder. Hop. Mais si vous voyez pas que il sauvegarde, c'est normal. Parce que je les coupe en fait. C'est parce que c'est inintéressant. Donc c'est parti. On va aller voir notre cher papa. Papa Zeus. Donc
ça va, Gaïa s'en est remis de toutes ces bestioles, là, une sorte de serpent de la mer qui lui a transpercé. Elle s'est remis de la foudre et tout. Gaïa, c'est une guerrière. Zeus. Que vas-tu faire, père? Tu ne peux plus te cacher dans les jupes d'Athéna maintenant. Athéna est morte à cause de la colère qui te consume, Kratos. Que vas-tu détruire de plus? Les mains de la mort ne m'ont pas arrêté. Les sœurs du destin ne m'ont pas retenu. Et toi, tu ne verras pas le soleil se coucher. J'aurai ma vengeance! Enfant impertinent, je ne tolérerai plus ton insolence! C'est beau. Gaïa, je ne peux pas tenir plus longtemps. Si je t'aide, nous tombons tous les deux, et Zeus vaincra. C'est pour détruire Zeus que tu m'as sauvé de la mort! Je t'ai sauvé pour que tu aides les titans! Ne me refuse pas ma vengeance! Écoute attentivement, Kratos. Tu n'étais qu'un pion, rien de plus. Tu n'as plus à te soucier de Zeus. Ceci est notre combat, pas le tien! Gaïa! J'ai vécu comme un guerrier. Je suis mort comme un dieu. J'ai subi le sacrifice ultime. Et on m'a privé de la délivrance. J'exterminerai tout l'Olympe. Ma vengeance sera terrible. Luf. Donc nous voici dans les enfers d'Hadès, les amis, dans la flotte. On va nager un petit peu. Oula, je suis un peu affaibli. Le Styx, donc le Styx, c'est, je crois que c'est la l'eau. L'eau là où on est s'appelle le Styx, je crois. Donc c'est la... Donc c'est la zone qui s'appelle le Styx. Moi je dis ça par rapport à un événement qui va se passer plus tard en fait. Bon, il me dépouille de mes orbes rouges, de ma magie, de ma vie. De tout quoi. Non, on n'en a pas fini, Zeus. Les portes de l'Hadès ne m'ont jamais retenu. La mort ne peut pas retenir ceux qui ont un but, Kratos. Athéna? Tu m'as manqué, Spartiate. Grâce à mon sacrifice pour sauver Zeus, j'ai accédé à une existence supérieure. Tu sembles encore être une Olympienne. Les apparences peuvent être trompeuses, Kratos. Tout comme les enfants de l'Olympe. Peut-être, mais souviens-toi, c'est ta lame qui m'a donné la mort. Ma fronde était destinée à Zeus. Trêve de bavardage. En ce moment, la guerre pour l'Olympe fait rage. Et l'humanité souffre. Laisse-les souffrir. La mort de Zeus
C'est tout ce qui m'importe. Zeus ne tombera pas aussi facilement, Qu'Ares. Pour détruire le plus grand des dieux, cherche la source de son pouvoir, la flamme de l'Olympe. Tu t'es sacrifié une fois pour sauver Zeus, et maintenant tu cherches à l'anéantir? Que nous vaut ce changement? Toutes ces vérités, je les ignorais. Peut-être qu'ainsi j'aurai ta confiance. Voici les lames de l'exil. Elles te guideront dans ta quête pour trouver la flamme. N'oublie pas, tant que Zeus règnera, l'humanité sera sans espoir. Détruis la flamme, Kratos, et l'Olympe ainsi que ses fondations s'effondreront. Ces lames sont votre meilleur atout contre l'Olympe, je crois. Oh là, je vais crever. Donc voilà, les amis. Enfer, ici s'achève le grand périple que chacun doit entreprendre et dont on ne parvient jamais. Donc sur ces magnifiques images, les amis, on se quitte là pour ce premier épisode du playthrough de God of War 3 en mode titan. J'espère que ça vous a plu, mettez un petit j'aime et commentez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Allez, bisous à tout le monde, salut les amis. Ma vengeance s'achève.